Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la recette du missao, un plat coloré et savoureux à base de viande, de légumes et de pâtes et qui est très bien apprécié à Madagascar. Alors je vous montre tout de suite comment faire. Les ingrédients: du bœuf coupé en lanières, des carottes coupées en julienne, des haricots verts, un oignon, du poivre, du gingembre, de l'ail ainsi que du sel. On ajoutera un poivron, du citron, un autre poivron vert, un oignon vert, du persil. Après ça, des œufs et de la sauce soja. Au niveau de la préparation, dans un bol, mettez la viande et puis mélangez l'ail et le gingembre avec le sel. Ensuite, fouettez les deux œufs pour en faire une omelette. Coupez le poivron rouge et découpez-le en petits morceaux ainsi que le poivron vert. Continuez avec l'oignon vert et la coriandre. Au niveau de la cuisson, dans une marmite remplie d'eau bouillante, faites cuire les pâtes. Passez-les sous l'eau froide après 10 minutes. Confectionnez une omelette avec les œufs. Dans un wok, faites chauffer l'huile et versez la viande. Faire cuire 5 minutes. Mettez les oignons, le gingembre et l'ail. Mettez les carottes, les haricots verts. Laissez mijoter pendant 10 minutes et ajoutez les poivrons, un autre 5 minutes et les oignons verts, les pâtes, le soja qu'on n'oublie pas, l'omelette. Mélangez le tout, n'oubliez pas non plus la coriandre. Versez le jus du citron par-dessus. Remuez une dernière fois. Et notre missao est prêt. Bon appétit! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.